a pris des décisions contradictoires entre 10 jours, les unes contre les autres. Un moment, une décision, M. Takane est propriétaire du titre foncier. Deux jours après, c'est la collectivité Lobongo, dont nous sommes les représentants, qui est par exemple propriétaire. Il y a trois jours encore, il revient en disant que c'est ça qui nous fatigue. Messieurs, mesdames, ça fait 20 ans qu'on n'a pas fermé l'œil. 20 ans. Regardez un peu sur ce tableau. Regardez sur ce tableau un peu. Il y a une guerre. Il y a une guerre ouverte qui l'a menée contre nous. Vous voyez ici, ce sont certains de nos confrères et habitants ont perdu leurs droits. Vous regardez par exemple ici, il a cassé nos maisons et il a fait couper les doigts à certains de nos frères. Et c'est cela qui nous amène ici. Nous ne sommes pas là pour une manifestation d'agitation. Nous sommes là pour demander le soutien des autorités publiques. De ce que nous sommes un pays de droit. Mais nous avons été victimes de violations flagrantes du droit. Voilà l'objet de notre présence ici. Nous faire entendre, élever notre voix pour que l'autorité, pour que le pouvoir, nous souffrons dans le même de M. Takane. Ils sont les plus grands. Il est blanc, on ne connaît pas. Qui nous libère? Takane nous libère.